Bonjour, donc là je vous montre la sourate qu'on va essayer de la lire dans cette vidéo. Donc c'est celle-là. Donc là je préférais que avant de vous montrer l'écriture simple. L'écriture simple, c'est mieux. Et après on passe sur la page du livre. Donc là, ça c'est la lettre. Qa, si vous vous souvenez, Qa avec les deux points. Donc Dhamma c'est Qo avec Dhamma Qo. Ça c'est la lettre L avec Sukun, c'est L. Donc Qol Qol. Ça c'est la lettre Ha qui s'écrit au début du mot. C'est de cette forme. Avec Dhamma, c'est hu. Il n'y a que de l'air qui sort. Hu. Ça, c'est la lettre wa. On a dit la lettre wa. S'il n'y a rien, il n'y a pas de voyelle courte collée à la lettre wa. Ça veut dire il va jouer le rôle de prolongation de Dhamma. Mais dans ce cas-là, il y a une voyelle courte qui s'appelle Fetha. Donc on doit le prononcer. Donc il ne va pas prolonger le son de Dhamma. Non. Donc il sera une lettre à prononcer. Donc, Houa. Houa. Je reviens. Kol. Houa. Ici, c'est l'alif. Ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Normalement, L, c'est la taille de l'alif. Sauf parfois dans le nom Allah, ils mettent l'L, les deux L, de taille petite. Mais normalement, c'est de la taille de l'alif. Donc, c'est pour ça, dès que vous voyez ça, c'est Allah. Sauf regardez à la fin, est-ce que c'est Hu, ou bien Hi, ou bien Ha. Donc, Allah, Hu. Mais si j'enchaîne la lecture avant, je saute celui-là parce que L, il n'y a rien. Donc je le saute et je saute aussi la lettre A. Donc, Huwallahu. Donc je viens direct d'ici jusqu'à la troisième lettre, ou Yeshda. Toujours, il faut appliquer cette règle. Quand il n'y a rien ici, je saute les deux. Si j'enchaîne la lecture avant. Donc, Qul huwa Allahu. Ça, c'est le ha, comme celle-là. Celle-là au début du mot. Celle-là, c'est à la fin. Avec Dhamma. Donc, huwa Allahu. Ça, c'est la lettre A. Ça, c'est la lettre Ha. Donc, A, Ha. Ça, c'est la petite D. C'est D avec tanwin double dhammat. Donc, un, on rajoute un, tanwin de dhammat. Donc, dun, aha, dun. Je reviens. Qul, huwa, Allahu, ahad. Et on arrête sur sukun. J'aime la lecture arabe. Si on arrête la lecture, on s'arrête toujours avec sukun. On transforme la lettre qui est collée à la dernière lettre de l'arrêt de lecture en sukun. Qul huwa Allahu ahad. Là, je commence la lecture, donc je prononce A. Ici, la L, il n'y a rien, donc je saute. Allahu. J'enchaîne la lecture, donc je saute les deux parce qu'il n'y a rien et je saute celui-là. Donc, Allahu Samad. Ça, c'est la lettre Sa. Avec Shidda et le Fetha, donc j'appuie. Sa. Donc, dès que vous voyez la troisième lettre avec Shidda dans un mot où il y a l'alif lam. Ça veut dire on saute les deux et on vient direct sur la lettre où il y a Shidda. Allahu Samad.
Le petit D avec sukun. J'ai oublié de mettre samado, mais on arrête sur sukun. As-sa-na-de. Ça, c'est la lettre M. Ma. L, c'est fatha, c'est là. Ça, c'est la lettre M à la fin. Lam, ça, c'est les deux points en bas. C'est la lettre Ya. Ça, c'est la lettre L. Avec le kasra, c'est Ya, li, de. Le petit D avec sukun. Lam, Ya, li, de. La lettre Wa, Wa. La lettre L avec le fatha, la. Le mim, la lettre M avec sukun. Lam. Donc lam, yalid, walam, walam. You. Le waou, il n'y a rien, donc il prolonge la dhamma. You. Led. C'est la lettre L avec le fatha. Led. D avec sukun. You, led. Wa, lam. Ça, c'est la lettre Ya. Ça, c'est la lettre K avec Dhamma, donc c'est Ko. Ça, c'est la lettre N avec Sukun, donc N. Yakun. Yakun. Lahu. Lahu. Ko. Faux. Ça, c'est la lettre F avec le Dhamma, c'est faux. K avec Dhamma, c'est Ko. Ko, faux. Wan, ça c'est la lettre wa avec tanwin de fathatayn. Wan, kufuwan, ahad, ahadun. Donc je m'arrête sur sukun. Ahad. On va voir sur. Sur la page. Qul, qul, qul huwa. J'enchaîne, je saute les deux. Qul huwa Allahu ahad. Là, je commence par là, la lecture, donc je prononce ça. C'est pas pareil. Ici, je le saute parce que je lis avant. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Samad. Lam. Lam. Yalid. Walam. Yulad. Walam. Yakun. Ici, il y a sukun. Quand il n'y a rien sur nun dans les pages du Coran, ça veut dire qu'il y a un sukun. Walam yakun lahu. Lahu. Kufuwan ahad. Merci de suivre cette vidéo et de la partager, s'il vous plaît, entre vous. Vous aurez, inshallah, la récompense auprès d'Allah. Merci de partager pour que d'autres bénéficieront de cette série des cours d'apprendre à lire le Coran. Chaque lettre, c'est une hasana. Merci. À la prochaine.